Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez mieux aujourd'hui les amis. C'est mon dernier Battle Road sur la version globale pour débloquer le Goku Gohan en T-Max. Donc il me reste plus que Héros de Film à faire. Et actuellement, je suis en live avec des brodeurs et des brodines qui pensent que je vais réussir du premier coup le Battle Road. Donc 75%, 25% pensent que je vais fail. La team non est lead par Enili et la team oui est lead encore une fois par Chris. 100 000 points de chaîne, aïe 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 aïe. Sachant que j'ai un item en moins. Là par contre ça va pas être facile, j'ai un item en moins. J'ai des LR, c'est bien, mais j'ai pas beaucoup de doublons, attention. Donc je pars avec Gogeta bleu, Genki Genshi, Gogeta LR, Gobro sans doublon, Goku 100%. Ah intéressant. Donc là, j'ai un. À partir du moment où j'ai un ennemi qui entre dans la catégorie boss, réduction des dégâts de 77%. Intéressant. Par contre, j'ai trop de ki arc-en-ciel là. Par contre, là, c'est n'importe quoi. Donc, on va essayer de s'occuper de ki. Faut pas toucher à Thalès en fait. Ah, si, j'ai peut-être bloqué l'aspect de Thalès. J'ai bloqué l'aspect de Thalès. Bim. Ensuite, je vais essayer de tuer. Attends, qui attaque? Lui, il attaque beaucoup, je trouve. Il attaque deux fois, lui, là. Après, je peux bloquer l'aspect. Attends, il n'y a pas de. Ah, si, il y a le. Derrière, il y a du. Il y a de la puissance. Pourquoi je vais neutraliser lui? Non, je vais en tuer un. Hein. Je vais essayer de tuer lui. L'endurance. On va tuer l'endurance, tiens. Enfin, on va essayer. Bon, item, parce que là, c'est un peu chaud. Bon, Gogeta, il bloque quand même beaucoup d'attaques. Hein. Il a pas beaucoup de def de base. 91 000. Enfin, c'est correct, mais c'est pas. Par contre, j'ai un peu trop de ki arc-en-ciel quand même. Je vais laisser ça à Gobro. Gobro, il en a besoin. Allez. Lui par contre il devrait tanker correctement. Donc toi on va t'empêcher d'être relou. Mais t'as les deux. Ah j'ai qu'il faut que je le puis. Ah j'ai pas fait attention. Un doublon sur mon Genki Gencive. Pu. Ok, on va peut-être le faire tomber. Il n'y a pas beaucoup de PV. Ah là là, Gogeta bleu quand il était sorti. Vivement, vivement la nouvelle version avec l'active skill. Ok, là ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. Là maintenant, Gogeta, c'est un peu, j'avoue que c'est un peu une chips quand tu mets là. J'avoue que c'est un peu une chips. Il a été debuff ou pas? Non. Sinon je mets Gogeta ici. Et on va essayer de tuer. Ouais je sais pas. Tête de coup il peut me faire très très mal. Ah j'hésite. Sinon je mets Gobro. Mais Gobro il a contre-type aussi. Bon ouais, tu sais quoi, on va compter sur le. On va essayer de tuer le tech. Ou sinon, je me prends une grosse patate, mais derrière je peux peut-être tuer Jean-Michel tête de couille. Allez. Ça va vraiment être une grosse patate là. Je suis toujours sous item. Là, j'espère juste que. Je pense qu'il va le tuer, tête de couille. Allez. ...45 000. Aïe aïe aïe. Après, j'aurais pu le mettre en dernière position. Ouais, parce qu'il a de l'esquive. Hein. Mais bon, vu que c'est un gros DPS.
Et après, j'ai pas de doublon. Ouh, ça pique un peu là quand même. Ok. Tête de couillasse, il est down. Ouh. Oh, ça pique là quand même. Oh, la double SP. Oh, il régale. Oh, il régale. Gogeta 100%. 100% beau gosse. Hop, ça dégage. Ça dégage avec ta coupe, avec ta raie au milieu là. Ok, ils sont plus que deux. Ça se passe pas trop mal, les petits broudeurs. Et là, on va le terminer. T'as les sous. Roberto, t'as les sous. Ou sinon, je bloque l'aspect en fait. Je vais peut-être faire ça. Je bloque l'aspect de celui-ci. Ah non, de Thalès, pardon. L'autre, il a contre-type. Ça devrait bien se passer. Attends, moins de ki possible. Donc là, on bloque l'aspect de Thalès. Et on termine Thalès. Voilà. Et s'il meurt pas... Ah, s'il meurt, pardon. On va pouvoir bloquer l'aspect de l'autre. Là, c'est pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. Là, on a pu économiser un item, là. Rasengan. Pas mal. Solide. 3 800 000, je crois que j'ai un doublon. Ça fait plaisir. 4 millions. Ah là 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 là, ça fait plaisir. Ah, la box commence à prendre de... elle commence à prendre un peu de la bibine. Oh là là là, ça fuchu maintenant, ça fuchu. Bon, j'aurais même pas le temps de transformer en... Enfin, j'aurais même pas le temps de claquer l'actiskill. Ah, c'est parfait. Allez, pour les beaux yeux. Paf. Paf. Et paf. Ah là là. Bon, après, je joue pas mal à la légende ces derniers temps. Et j'avoue que l'aspect de Gogeta bleu reste quand même plus beau sur Dokkan. La 2D, c'est quand même magnifique. La 3D, ça dépend. S'ils mettent vraiment beaucoup d'effets, ça peut être joli. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Même si on a un malus de type un item en moins, ça se passe pas trop mal. Slug, c'est boss de film ou pas? J'ai un doute. Il me semble que oui. Ok. Il est boss. C'est un boss. Donc là, on va focus qui? On va essayer de tuer l'agilité. Allez, ça dégage. Par contre, c'est marrant, ben, je préfère le Goku de légende. Je trouve son animation pardon, beaucoup plus jolie. Ils ont copié-collé du film. Oh, c'est pas copié-collé quand même. Même si c'est très fidèle, je dirais pas copié-collé. Ouh là 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 là, ça a fait mal ça. T'as, il est parti en spé juste avant que je termine. Quelle enflure. Moi je l'ai même pas tué. Ah, j'ai pris cher l'ouf là. J'ai pris très cher. J'ai pris incroyablement cher. Bon, on va claquer. On va claquer ça en plus. Ah, lui, on le termine. Allez. Terminé. Ensuite, on va essayer de tuer lui. Paf.
Les gars qui gencive. Paf. Allez. Et si on le tue pas, lui. Enfin, j'espère qu'on le tue. Comme ça, je vais pouvoir bloquer l'aspect de Slug derrière. Je sais même pas comment ils s'appellent ces mecs là. Allez. La double SP, frérot. Ok, il est mort. Nice. Il attaque quand même beaucoup de fois, lui. Hein. En fait, est-ce que je peux buter les autres? Enfin, est-ce que je peux tuer Slug et les autres? Est-ce que les autres rentrent dans boss de film? Je suis pas sûr. Hein. Slug, sûr, mais les autres, c'est des sbires, je crois. Ouais, non, je crois que vous laissez Slug en dernier. En fait, ce qui est chiant, c'est que Slug, il attaque beaucoup de fois. Hein. Puh! Allez, ça meurt. Ça meurt. Non, les gars! Le trait! Ah non! Ah non, les gars! Ah non! Ah non, ça c'est chiant par contre. Ah, ça c'est chiant par contre. C'est très chiant. Bon, ça SP est bloqué. Ça SP est bloqué. Donc je pense que je peux le terminer sereinement. Ensuite, je bloque l'aspect de celui-ci. Allez, un dernier petit item. Et lui, on va lui mettre. On va lui mettre la sauce dans la gueule. Ça devrait bien se passer, les amis. En fait, c'est dommage. Ils auraient pu faire, comme sur DB Legend, faire un petit rappel au film DBS. Parce qu'en fait, en mars dernier, c'était, bah, c'était la sortie. Enfin, c'était l'anniversaire de la sortie du film DBS Broly, qui est sorti il y a 2 ans. Vous auriez pu faire un peu comme sur DB Legends, nous sortir un nouveau Gogeta et un nouveau Broly avec l'active skill. Alors du coup, ils gardent ça sous le coude, mais à quel moment ils vont sortir? À quel moment ils vont sortir ces deux nouveaux beaux gosses? Parce qu'en général, j'ai remarqué que ce qui arrive sur DB Legends arrive très prochainement sur Dokkan, et inversement, ce qui arrive sur Dokkan arrive très prochainement sur DB Legends. Donc ça peut être des indices, les amis. Maintenant... S'ils le sortent un peu plus tard, il n'y a plus la com de l'anniversaire du film, tu vois. Oh, c'est magnifique. Double SP, on n'en parle plus. Oula. Oh là 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 là. À contre-type avec un item. Please. Quand ils ouvriront les salles. Hein. D'ailleurs, on n'entend plus parler du prochain film. Hein, parce qu'ils étaient censés sortir un nouveau film bah, prochainement. Ils étaient censés sortir un film chaque année. Enfin, ils disaient qu'ils travaillaient sur un autre film. Donc là, je suis toujours sous item. Bon, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Là, j'étais en train de parler, du coup, je me suis déconcentré. Normalement, on devrait le finir, là. Dragon Ball Résurrection du Fiac. Du Fiac Zone. Mais après, il y a Gogeta, le broudeur. Des gars efficaces, bim, bim, bim. Et voilà, ça dégage. Nice, dernier combat. Par contre, il me reste que 3 items. La jauge d'Oka n'est pas très bien remplie. J'ai fait trop de DPS. Beaucoup trop. Oui, elle m'a... Ah, là, par contre, ils sont un peu nombreux. J'aime pas trop ça. On va faire... double item. Alors, déjà, lui, on va le mettre là. On va bloquer l'aspect de qui je pense que Bojack. Bojacky. Bojack. Faut que j'en j'ajoute au canard. Donc Bojack. Ensuite lui il va bloquer l'aspect de Zangia. Donc j'ai fait ça, j'ai pas claqué ça encore. Il faut que la Dokkan Mode arrive très très vite derrière. Et là, on va taper sur... On va essayer de buter lui, là. Salut Dionysos. Le Broly des BS LR. Je pense que ouais, la prochaine fois que Gogeta Bleu et Broly DBS va arriver, ce seront des LR.
Bah sur DB Legends, ils ont fait des LF, donc peut-être qu'on aura des LR à ce moment-là. Après, peut-être qu'ils se sont mis d'accord, Dokkan et Legends, pour se dire, bon, tu sais quoi, je sors Gogeta bleu et Broly DBS LF, mais tu sors pas de LR tout de suite. Peut-être qu'il y a des deals comme ça, hein, pour éviter de se cannibaliser les packs F. Évidemment, ils comptent sur les packs F. Enfin, ils comptent sur nos packs F. Donc, les packs F qu'on claque sur DB Legends, c'est des packs F en moins sur la Dokkan Battance, tu vois. C'est une Aquilope. Je sais, j'ai invoqué dessus. Oh, l'esquive du Brooder. L'esquive du Brooder. Est-ce que je peux activer le Dokkan mode? Pas sûr là, hein. Pas sûr du tout. Non, ce sera pas suffisant. Bon, je tente quand même. C'est dommage que j'ai pas accès au rouge. Là, faudrait tuer Zanga, je pense. Si j'y arrive. Bim. Et là, je vais tout mettre sur lui. Non, c'est Zanga au cas où. Non, elle devrait mourir. Il reste un trait, non. Je savais, il manquait un ki rouge. C'est dommage. Et Bojack. Bojack. Gogeta. Tu neutralises Zanga. Plus un petit coup sur Bojack parce qu'il mérite. Ah non, Zanga, punaise. Le fameux trait. Un Gogeta S4 versus Omega. Ouf. De toute façon, à terme, hein, tous les gros persos importants du jeu vont sortir en LR. C'est quasiment sûr. Bon. Bah, ça sera Genki Gensive qui aura l'honneur. Par contre, il faudrait que je bloque l'aspect de lui en fait. Je serais contre-type, mais. Ouais, c'est dangereux. Je ferais moins de dégâts si je fais ça. Ah, punaise. Sinon, je fais ça. Je suis en neutre. J'ai pas l'aspect ultime. Ah non. La gourmandise ou le... Bon, déjà je vais faire ça. La gourmandise ou pas? Ou le côté safe? Si je mange l'aspect, je survis normalement. Ouais, je survis. Allez. Dokkan mode sur lui. Lui, on va lui bloquer l'aspect. Et Gobro, il termine qui? Bojack ou... Ouais, il termine lui, tiens. Allez. Faut juste que Bojack ne m'envoie pas une spé. Bah, en fait, j'ai 500 000 PV aussi. Hein. J'ai 500 000 PV, je devrais survivre. Oh, c'est pas possible quand j'ai pu fail. Hein. Ouais, je pense qu'on aura beaucoup maîtrisé plutôt. Ouais, c'est ça, beaucoup maîtrisé pour les 6 ans. Après, qui sera l'autre unité qui sera avec lui je sais pas. Végétable Evolution ou un nouveau Jiren. Un Jiren, un beau Jiren, tu vois. Pu, le crit. Ouf, la double spé, magnifique. Ah, par contre, ça bloque pas la spé. Ça fait quoi, d'ailleurs? Ça augmente juste les stats, ouais. Ah là là, je savais. Ah, je savais la spé. Ah, j'en étais sûr, les gars. La spé qui pop au pire moment. Bon, heureusement que derrière, bon, on l'empêche de nous nuire par la suite. Petit enfoiré. Bon, allez, Gobro, tu peux le punir. Je pense que tu peux le punir. Il le mérite. Allez, ça dégage.
Allez, ça dégage. L'autre aussi. J'ai pas le temps de balancer l'active skill du frérot Gogeta là. Je voulais finir en beauté, mais. Il n'y aura pas de beauté. Il y aura juste le décès. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. C'est finito. Finito. À moi, le dernier. Les derniers doublons. Les derniers doublons. Enfin, pas les derniers doublons, non. Un autre doublon. Du Goku Gohan T-Max. Parce qu'en fait, j'avais déjà récupéré un doublon en terminant tous les niveaux. Enfin, les niveaux 1, 3. Non. En fait, c'est par paire, en fait. Les niveaux 31, 33, 35, etc. Donc là, c'était mon dernier. Donc en théorie, on va récupérer d'autres exemplaires. Du Goku Gohan T-Max. Donc la team Wii qui fait confiance à votre. Qui me fait confiance. Qui me font confiance, pardon. Merci beaucoup, voici les points. Voilà, la team Shay, décidément, vous n'avez pas de voile. Ah, box free to play, toujours là, les amis. Et voilà. Et voilà, ah, on récupère deux exemplaires. Et donc, en fait, le dernier exemplaire se récupère avec... il faut faire 20 fois, en fait, j'ai fait la moitié, du coup. Aïe, 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 on est là les amis, on est là, 258 DS. Bon bah on va s'arrêter ici, merci beaucoup d'être passé, merci beaucoup pour le soutien, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, portez-vous bien et dites-moi dans l'espace commentaire quelle est la team que vous avez utilisée pour passer ce Battle Road héros de film. Donc voilà, on les a terminés, c'était pas trop difficile mais bon, le vrai challenge pour moi ça reste quand même... Enfin, même pour tout le monde, je pense. C'est l'Extreme Battle Road. Là, c'est un autre délire. C'est un autre game. Sur ce, passez une très bonne journée. À très très bientôt.